Et salut tout le monde, c'est Darkrat et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour Akuchi, donc on est dans le dernier métier. On parle d'Enoch, au niveau. On aura fait là. Akena. Kaina. Et c'est tout. Putain, il n'y a que 3 niveaux. Oula, ça sent bientôt la fin, mes amis. Comment je vais dire? Ah non, ça c'est le boss. Putain, c'est bientôt la fin. Oula. C'était pas comme ça dans mes souvenirs. Enfin bref. Alors, on est parti. Et oui, une sanglante. Rancher la tête de la statue d'envers. Votre face cachée. Et dessus, alors c'est la bonne. Ah bon? Eh ben disons, je crains le pire. Le baron Samedi prétend qu'il ne me reste que peu de temps. Mais j'ai perdu jusqu'à la notion du temps. Alors que je me battais ici, quelques secondes ou d'innombrables générations ont pu passer dans le monde des vivants. Pour la santé du baron et celle de Keisho, il vaudrait mieux que je retrouve le monde des vivants là où je l'ai laissé. Ça m'étonnerait que tu le retrouves au même lieu. Enfin bref. Allez, c'est parti. Bouffée incendiaire. Ah, des caca, des crânes sur pas, mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils font pas? On dirait mes cousins anglais. Caca. Je n'ai pas de cousins anglais, je tiens à le préciser. Parfait. D'accord, c'est le bordel. Oui, j'ai compris, donc c'est pas passé. Ça aussi, j'étais assassiné, mais... Oh, je sais bien, tout va bien. Foudre spirituelle. Dans ta gueule, salope. Putain non! Oh mais quel con! Oh putain quel con! Je pensais que c'était lui qui remontait. Mais non en fait c'est un truc derrière qui est tombé. Oh putain! Oh putain! Quel con! Ça fait un petit moment que je suis sur ce jeu. J'ai fatigué, il commence à arriver. Dans le guidé, ça fait à peu plus de 2 heures que je suis sur le jeu. Et Flippo qui m'a pris énormément de temps. Et le boss qu'on a fait ensemble qui était anecdotique. Voilà, c'est pas le contraire, certes, j'ai fait un putain de drama, mais quand même. Le boss était anecdotique. Moi je l'ai bloqué dans un coin, il n'y a rien. Mais on prend aussi les 3-4 salles. Voilà. Ah
des enfants. Sachant qu'il y a trois niveaux. Quatre âmes par niveau. Ah putain, merde. Je peux pas la récupérer celle-là, je le sens. Ah putain, et en plus y'a pas de... Mais merde. Putain. Ah, ça me gonfle ces niveaux, y'a pas de checkpoint. Et qui sont longs comme la nuit. Ah. Allez, on va encore nous montrer pendant 150 ans la même scène. Même si je suis con que j'ai pas déjà fait de niveau au moins 3 fois. Ah, oh, je vous jure.
L'épreuve de la mort pour récupérer une putain de... Wouah! Ça va être quasiment plus dur, heureusement j'ai récupéré mes yeux. Come on.
Ah putain, sa mère, mais pourtant je t'ai touché, connard. Oh, et en plus, je suis obligé de refaire ce passage. Ça m'énerve. Ça veut dire qu'est-ce qui m'énerve pas? Ben, pas beaucoup de choses. Et comme je suis en train de faire Dante Inferno, PS3, eh ben, je compare ce passage-là à celui que j'ai dans Dante Inferno 3. En gros, tu te tapes des putains de séries de monstres, mais à l'infini. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de te sortir une maison plus grosse pour le passage d'après. Genre, t'en as pas déjà assez chié. T'en as pas assez chié, on va te rajouter un petit peu plus de difficultés. Putain, j'ai perdu plus de 3 quarts de ma vie là. Et on va encore nous montrer le même passage. Le truc va monter. Et on voit que le truc il va monter de l'eau, ils vont bouger de l'autre côté. Non mais vous savez, développeur, on n'est pas si gros qu'on en a l'air. Quand même. Thank you.
décapiter ton couteau et tu te démerdes. J'espère que t'as mis là-haut un truc dans le nord. Oui. Ah, putain. Ah, heureusement. J'ai tellement crié fort que j'ai fait bugger le son du jeu, ça c'est cool. Ah. Des fois qui sont vraiment tordus. Et j'ai l'un des ancêtres là. Comment pour récupérer et monter là-haut? Je ne vais pas réussir à avoir la carte.
Oh non, ça va pas recommencer. Putain, je déteste ces sauts, je déteste ces sauts. Ça commence à me gonfler ces sauts, j'en peux plus. Allez, 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 on va y arriver. J'ai pas eu beaucoup d'âmes des ancêtres, tant pis. Moi, ce sera fait. En 3, 44, 40, donc il me reste 7 à récupérer. Waouh! Pour traverser les contrées de Kainir, vous devrez apaiser le démon Balogun. Offrez-lui un sacrifice, et il vous laissera atteindre la porte spirituelle. D'accord. Ok, ok. Bon. Je pense qu'on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre...